on ferme ça. Ça va être Waxx Bigfish. Je vois juste. C'est qui, pas grave, c'est Waxx. Donc, on a en ce moment notre cher Bigfish avec son sourire carnassé et Waxx avec sa face de gueule. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Oh, on a une commentary touch. Bon, fait un, première game, quand même. Ça passe des affaires. Donc, on a pas mal de Bigfish qui a pris. Non, on a Waxx qui a pris l'avantage en ce moment. Ouais, qui vient tout juste d'être annoncé comme étant le 5e joueur payeur de Québec. Il y a des choses à prouver, surtout contre son adversaire qui est coté en ce moment 3e. C'est peut-être la victoire qui va être décisive, justement, pour le prochain payeur qui dépasse notre chantier au Bigfish. Allez, on commence avec la première game! Puis j'étais pas là pour voir ça! Mais les stream tôt, c'est bon, mais là. Ah, on n'a plus qu'un dans la caméra pour le commentary, il fait chier. Bon, donc on s'en va sur Pokémon Stadium, puis on sort un Toad pour commencer étrangement. On est déjà à 101% du côté de Waxx, mais ça remonte tranquillement pas vite avec des dash attaques puis des gros fers. Et on n'a pas le slide-off qu'on a habituellement. L'habitude, c'est toujours une très marque de commerce de la part de Bigfish. On a avec ses petits downbeats. Oh,
qui le grappe et on se punir par le pimp slap. On appelle aussi le pitch slap ou le fair. Celui du coup de boule de Zidane qui emmène le stock par en haut. Fait que Bigfish, il décide de prendre le lead sur cette deuxième partie. Personne pour le court commentary, je suis pogné à laisser des petits fils de silence parce que j'ai pas grand chose à dire aujourd'hui. C'est un match-up que je connais pas particulièrement, étant donné que c'est pas des personnages de jouissement et que je ne contrôle pas. Oh boy, sauf qu'on réussit à bloquer l'edge guard, on a manqué ça et on se fait punir quasiment par un spike. Oh, petit weak plan, on risque comme du fer dans une boîte qui est chauffée. On s'enfuit de nos responsabilités. C'est le neutral. Et on se fait punir quand même. 125%, c'est un gros pourcentage, je peux me faire crever par un petit match, ça c'est même dangereux, c'est pas fini. Et ouais, ils ont réduit l'écart encore. Oh, beau combo qu'on a cherché jusqu'à la fin avec le smash, mais qu'est-ce qui ne tue pas malgré le petit plafond de Pokémon Stadium quand même? Oh, on se fait chier le grab, les jabs. On a écouté ce SBM tutorial qui a dit de graver toutes les jabs. Et on en finit. Encore au moins de 2 stocks chaque, une certaine avance au niveau des pourcentages. Oh mon dieu, ça ne finit pas cette partie! Encore une 6 stock lead! Bigfish a bien l'intention de repartir avec la première. Yo yo! Yo yo! Salut mon ami Darrow! Comment ça va? Salut Darrow! Yes! On continue! Fait que là c'est quoi? C'est 1-0? C'est 1-0 pour moi, c'est une grosse game qu'on n'aura pas vu malheureusement avec 5 stitch une bombe. Alors, il a commencé puis ils sont pas internet, c'était un switch. Genre, ça veut juste. Il avait roulé la RNG là. Ouais, c'est ça, le fait de plaçon que. Fait que dans le tas, ça monte. Ouais. Oh my god! Deuxième game assez convaincant. Ouais, hein. Il va dessus. Je t'ai cru, il va où là? Alors, c'est. Boom. Update. C'est dommage, il faut que l'on fasse. C'est tellement plus simple. T'as-tu vu le trailer du nouveau Sleepy Hud là? Hein? Sleepy Hud, c'est genre un shit que Sleepy ils vont enregistrer. En fond, ils sont capables de créer un layout avec un Sleepy File. Pour vrai? Ouais. C'est juste genre sur Reddit. C'est Sleepy Hud, HUD. Tu devrais l'avoir de près. Ouais, c'est sûr qu'il va être sur Reddit. Mais bon, c'est laissé disconnecter. Hey boy, et nous, on les suit, man. Ouais, c'est ça, on est dedans. Mais c'est quand même la dernière game d'un best of two. C'est vrai. Grosse game. Ah, c'est vrai, je joue. Mais moi, j'ai vu la vidéo de PR Québec. Ah, il était très incroyable. Vraiment, vraiment. J'aurais dit ça mettre plus de combos, j'en ai plein, man. Ah, ouais, je l'ai dit. Je l'ai dit, t'as juste à prendre les games qu'on a joué contre, t'en avais, man. Ben oui, c'est ça. Mais je tiens à dire que c'est moi qui tourne cette vidéo, quand même. Ouais, avec le meilleur clip. Avec le meilleur clip, le classique de fantôme. Mais c'était ça qui allait pas vite. Je regardais, je le jamais qui vite. Jamais qui ouais, mais tu sais. Mais je comprends, là. C'est ça. Après ça, le fantôme, juste pour réagir, c'était quand même assez malade. Oh. Oh, Bigfish a pris l'avance sur ce game-là. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que. Waxx, y a-t-il des early kill options? En ce moment, je pense que. C'est parce que c'est Luigi sur ça. Genre Luigi il live forever là, ouais, sur ça. C'est là. Oui c'est sûr, mais Luigi il a des kill moves un peu plus que Peach. Pas mal plus de follow-up à celui-là, je pense. Aussi ouais. C'est grave jouer contre Luigi les gars. Parce que t'as pas tant de follow-up. Oh! Hey, je pensais qu'il allait faire un genre de double jump up B, je sais pas, mais. Pas 80. Ouf! C'est là pas mal. Je veux ça même pas tuer là! Oh il s'attendait! Oh! Il va get un misfire. Ouais, c'est sûr. Le next, c'est ça.
Pour lui, c'était ça. C'est ça. Il y en avait trop. Et on s'en va rejoindre. C'est ça le kill move. À 170. C'est pire que chier contre prof, que c'est juste le pour la montée de tranquillement, ça. C'est vrai. Puis espérer hein? avoir un grab avec un follow-up. Tu penses-tu que Bigfish a le ban? La quoi? Qu'est-ce que tu penses que Waxx a le ban? Y a-tu ban genre. Je pense que. FD? Mettons? Pourquoi ils se sont ramassés sur ce stage-là? C'est ça que je suis en train de me demander. Pour moi, il a ban FD, effectivement. FD? Ah ouais, ouais, j'avoue que FD c'est un bon stage. Pour juste parce que tu peux passer de gauche à droite à la vitesse que tu veux, c'est Wave Dash. Ouais. C'est juste contre Falco que c'est actually un bad match-up. Ouais. Ouais, mais c'est parce que pendant plein Wave Dash, tu peux faire le laser. Ouais. Les stages, c'est vraiment un character genre match-up dependent, là, j'ai l'impression. Là. Ouais. Autant que genre Peach va amener toutes les forces au monde ici, elle voudrait pas te faire amener, mettons. Ouais. Pareil comme Mark, là, contre Puff. C'est contre Puff. Je pense que c'est contre Puff. Si tu joues contre Puff, tu peux pas aller sur FD. Ouais. Parce que c'est. C'est ben, genre. C'est un peu sur camper extrêmement ouais, c'est ça. C'est-tu. Je suis en train de faire de la bullshit. Mart contre qui? Tu veux pas aller sur FD maintenant? Ouais. Chic, I guess. Mart Chic? Ouais, Mart Chic, mais ça, c'est plus avantageux. Non, c'est ICs. Oui, c'est vrai, j'ai quitté tournoi cette semaine. Chic, on peut jamais aller sur FD. Ouais, jamais. Mais moi, j'ai pas regardé la run qui s'est passée, par exemple. C'était beaucoup de. Ben, sa run à lui, beaucoup de. De. Handoff, I guess. De handoff, ouais, je cherchais le terme. Wobbling. Ouais, du pseudo wobbling. En tant que t'es spectateur, oh, une bombe! Oh! Yeah. En tant que t'es spectateur de Double Down, as-tu trouvé les games plus intéressantes parce qu'il n'y avait pas de wobbling? Ben, c'est sûr que oui. Ben. Ouais, mais. I guess. Parce que le neutral va ressortir. C'est parce que la différence avec le wobbling versus non, ouais, c'est que tu peux wobble dans le milieu du stage. Ouais. Tu peux pas handoff. Ouais, peux, c'est ça. Dans le milieu du stage, Nana elle va souvent. Elle va souvent up throw, puis tu peux faire un up air pour genre faire un combo. Ouais. Ou mettons, faut que tu guesses, elle va te back throw. Tu peux genre predict, tu peux genre predict, puis cover une option qu'elle va faire. Mais l'affaire, c'est que si t'es sur le bord du stage, quand c'était comme mettons en plateforme, elle va tout le temps throw vers le ledge. Ok, fait que c'est comme un wobble. Ouais, c'est comme à cause que c'est un re-grab. Ouais, c'est ça. Mais bon,